Ouais, ça va. Je suis toujours là. Rémi a été interpellé, mais apparemment il aurait été relâché, on m'a dit. Enfin, il y a quelqu'un qui a dit ça sur le live, donc je sais pas. Je suis toujours à l'endroit où les policiers ont interpellé le gars. Il y a 50 flics pour deux mecs. Pour votre signe. Vous êtes bien caché là derrière le poteau. Ouais, c'est la base. Je suis caché derrière un poteau. Je suis Écuse, rue des Écuses, Saint-Martin. Là où le monsieur s'est fait prendre un chassé par les voltigeurs. Et ensuite, ils lui ont mis des coups de pied à terre. Moi, je l'ai filmé une fois qu'il est à terre, mais il y a eu deux témoignages concordants. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, je sais pas trop quoi faire. Ah, il y a une brigade qui arrive. Rémi part vers République. Il y a du monde à République ou pas? Pour l'instant, ils sont là, mais ils laissent passer les gens. Tous les camions sont partis à République, apparemment. C'est possible, ouais. Avance. Ils sont une bonne cinquantaine, là ils descendent. Je vois des sirènes au bout de la rue, je sais pas trop ce qu'ils viennent chercher. C'est pas les malins, c'est bien. Je vais redescendre moi aussi. Ouais, ils vont repasser par l'autre côté.
vont peut-être remonter dans leur camtar là. Donc là, je suis derrière un escadron de CRS. Je redescends vers République. Parce que je pense que c'est là-bas que ça va se jouer. Parce que le groupe qui était monté, il n'était pas gros. Partage Italie, ça marche. N'hésitez pas à partager partout. Ouais. Place de la Victoire, il y a quoi? Place de la Victoire, c'est à Lyon, ça, non? Ouais, Asian, est-ce que tu peux, enfin, ou un modérateur, ou n'importe qui, extraire la partie avec le mec, le crâne en sang par terre, on va la découper, si quelqu'un peut s'en occuper, et la partager comme vidéo. Si quelqu'un peut faire ça sur le live d'avant, c'est vers la fin. J'ai envoyé de la dame à Nice, oui, ça on sait. Ouais, je vais à la République là. Il s'est pas fait arrêter, Rémi Buzyn, il a été relâché. Il a juste été contrôlé. À tout à l'heure! Voilà, j'emboîte le pas au CRS. Je sais pas si c'est une bonne stratégie. Attention à Bordeaux, Montpellier. Ouais, ils redescendent à République, les mecs. Ah, yep. Ça va très bien, merci. Ouais, je suis en forme. Camille s'est fait tabasser, ah bon? Encore? Décidément, il prend cher à chaque fois. Alors là, ils sont positionnés sérieusement tout le long de la rue. Oh putain, merde. Faut pas que je me fasse avoir. Pardon. Je continue vers République. Allô.
T'es où? Ah, il m'emboîte le pas. J'avance vite histoire qu'il ne soit pas juste derrière mon cul, ça me rassure pas. Ah oui, bon. Ah, je vais arriver sur République là. Ouais, ils sont juste derrière moi. Non, non, il n'y a personne devant. Ouais, ils sont pas loin derrière moi. Hein. Ils marchent vite aussi. Arrive devant moi. All the way down there. Oh putain, ils sont partout. Ils sont devant là aussi. C'est la BAC. Il y en a qui m'a regardé bizarre, qui s'est mis derrière moi, mais il a lâché la tête. Tout le monde se dirige vers République. Nasser République, c'est pas facile, hein. C'est grand. Ah, ils sont partout. Mais non, mais il me suit pas, c'est un mec que j'ai croisé. Merci d'être vigilant. Ouais, là c'est bloqué. Je veux du soleil.
Allez, copain. Ils ont assez toute la place de l'arrêt. Ah, c'est des ouf. Ah non, on peut rentrer quand même. J'essaie de pas me faire masser, je regarde bien ce qu'ils font. Il se passe quoi là? Il y a des gens à terre. Il y en a qui arrivent par là-bas. Enculé encore un peu. Hey, iguane, machin. Ça reste pas pour rien que des fois ils font des autres sont frontiers et ils servent des bâtons. Ah, non, c'est Facebook. C'est Facebook. Il y a un Céleste qui est tombé. Ils nous entendent ou pas? Vas-y, il y a 2000 personnes. Coupe ma tête s'il te plaît. Bah, je sais pas, on sait jamais. Vas-y, explique. Un CRS il vient de tomber moi, dans les sais. Pommes. Ah, moi, vas-y, explique-moi. Explique-nous, Tata. On a vu un flic tomber. Attends, une seconde. Dis-moi. Un CRS tombé de sa hauteur, il a eu un malaise. Ses yeux se sont révulsés et il est tombé. Il est mort. Ah, c'est un CRS qui est par terre. Voilà, c'est un CRS qui est par terre. Ah oui, il est là, il y a un street medic qui est en train d'aider un CRS. Il a fait une syncope apparemment. En effet, c'est bien un CRS par terre. Il n'a pas l'air d'avoir de réagir, ils lui mettent une couverture de survie là. Ah, il a aucune réaction le mec, regardez. Il a la tête figée, aucune réaction. Il a les yeux fermés. Ah putain, ils sont en train de... Ils vont double nasser. Thank you.
c'est en train d'agrandir la nasse. C'est un CRS qui est tombé dans les pommes. Ouais, mais massage cardiaque. Ouais, ils sont en train de lui faire un massage cardiaque. Ouais. Je voyais de la manière dont il est tombé. Ah, là, elle est tombée net. Bam, AVC, ouais. Ça se trouve. Oui. Moi, je l'ai vu tomber. Pardon, excusez-moi. Policier qui est tombé net à terre. Ils sont en train de lui faire un massage cardiaque. Enfin, ils sont en train de le masser. C'est un CRS là qui masse, vous le voyez. Faire avant-arrière là, là-bas, entre les gens. C'est une femme CRS. Je sais pas si c'est une femme ou un homme. Excuse-moi, tu peux me tenir ça comme ça, 2 secondes. Attends, bouge pas. Ouais, il se met devant lui. Là-bas, qu'on voit les gens derrière le. Il va bouger lui. Ah tiens, faut reculer, viens, viens. Alors recule, l'énergie, on dégage les portables. Dégage les portables, ils disent. J'ai eu un malaise. Faut que je recharge mon stabilisateur, j'arrive. On cherchait le pont pour Castaner. On cherche une femme pour Castaner. Tiens, tu peux m'aider, s'il te plaît. Merci. Attends, faut que je le branche là. Là. Attends, là. Merci, mon pote. Voilà, je relance. J'ai remis mon stabilisateur. Voilà, c'est bon. Vous êtes fonctionnaire de police. C'est notre argent qui paye. Votre bourse sur les soirs. Vous êtes censé nous protéger, pas nous taper dessus. Vous êtes notre force de police. Notre force de police. On est la population. On est la population. Vous devez nous protéger. Le CRS est toujours à terre là-bas. C'est pas acceptable ce qu'il vient de vivre, le monsieur. C'est pas acceptable. Ils sont encore en massage cardiaque. Ça s'annonce très mauvais pour lui. Hein. Un massage cardiaque de 10 minutes, ça pue du cul. Hein. Ça peut t'énerver avec ta matraque.
t'as fait claquer sur ta culasse. Tu ne seras jamais au-dessus de toi. Là, avec ta tête que tu t'es fait, tu es en dessous. Regardez, ils sont encore en massage cardiaque. C'est les pompiers qui lui font cette fois. Va être ta mère, toi. Un CRS qui est tombé net. Net, pam, et il lui faut un massage cardiaque. Ça fait bien 10 minutes. Hein. Ça s'annonce pas bon. Vous savez pas écouter. Vous êtes pas là pour parler. Ah, je vois encore le pompier en train de lui faire le massage cardiaque. Sans être violent, faites à vous. Il faut le frapper. Il faut le viser avec vos armes. C'est honteux. Regardez-vous dans la classe ce soir. Regardez-moi dans le monde. Honte sur vous. Ouais. Ça va ? Ouais. Ah, ils vont gazer. Alors j'ai l'impression qu'ils sont en train de charger. Sur une civière. Mais ils ont l'air de... Monsieur, de l'autre côté, s'il vous plaît, merci. Encore en massage cardiaque. Ça peut être de l'autre côté. De l'autre côté de la place de la République, là-bas, ça pète un peu. Il y a beaucoup de CRS. Il y a l'air d'y avoir du monde. Il y a Superman qui vole au-dessus, là. Regardez le massage cardiaque. Regardez le massage cardiaque. S'il y avait un médic. S'il y avait un médic, il serait bon. C'est pas de médic. Il y avait un médic au début. Et là, il y a les pompiers maintenant. Ils sont en charge rapide. Ouais, ils sont encore en massage cardiaque. Regardez, on le voit en live. On voit le. Regardez, au milieu là. Ouais, putain, laisse tomber. Ça fait 10 minutes, 15 minutes qu'ils sont en massage cardiaque. Ouais, je pense que c'est chaud. Peut-être en arrière respiratoire. Ouais, je pense que c'est très. Il est tombé net apparemment. Bam. Non, c'est un CRS. C'est un CRS. Il est tombé net sur... Donc j'explique pour ceux qui arrivent. Il y a là-bas, du coup, un attroupement de CRS et de pompiers. Quand je suis arrivé, il y avait un CRS à terre. Deux personnes m'ont affirmé qu'il était tombé net. Bam, comme ça. Et ça fait un bon quart d'heure, même plus que... ils sont en massage cardiaque. Il y avait un médic qui les aidait. Et là, il n'y a plus de médic. On voit encore qu'ils sont en massage cardiaque.
Ça doit être un arrêt, ça, un, ça, ouais, un arrêt cardiaque. Ça, AVC, arrêt cardiaque, AVC, ouais, je sais pas. C'est dû au stress, ça, c'est dû au stress. Ouais, le stress. Ou un mec qui s'est suicidé. Bon, suicider comme ça en pleine manif, ça paraît pas crédible. Faire un magnifique éclat, un suicidal, c'est un fou. Ouais. Le but, c'est de partir en fin du bruit. Donc là, ils ont ramené une civière, j'ai l'impression. Non, ils ont ramené une machine à... Ils ont ramené un défibrillateur. Ouais. Là, le balisement, là, c'est un défibrillateur. Cardiaque. Regardez, on voit bien, hein. Regardez dans le fond, on voit bien le pompier qui fait le massage cardiaque. Toi, t'es dans la médecine? T'es en médecine? Ouais, tu peux nous donner ton avis un petit peu? Sans te filmer, ouais. Sans te filmer? Ouais. Ok. On m'entend là? Ouais, vas-y, dis-nous. Ok, donc effectivement, si le CRS est tombé sans se prendre de coups, certainement qu'il a dû faire un AVC ou un arrêt cardiaque tout simplement, ça va être dû au stress. Un arrêt cardiaque, il dit. Un arrêt cardiaque tout simplement. Ouais. Et ça fait 15 minutes qu'ils sont en massage ça cardiaque. Ça fait 15 minutes qu'ils sont en massage cardiaque, il doit être en arrêt respiratoire, le mec il est mort. Il ne cherche pas. Ouais. S'ils l'ont pas, s'ils l'ont pas transporté, c'est qu'il était trop instable. Il devait avoir une saturation d'oxygène qui était beaucoup trop basse. Et non, laisse tomber. Le pronostic est pas très engageant. Ah, le pronostic vital est carrément engagé, il est même légèrement sombre. Il est même légèrement sombre, là ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Sinon il aurait déjà évacué. Parce que dans les camions, là, les VSAV, ils ont largement ce qu'il faut pour faire des massages cardiaques et transporter sur votre entreprise, c'était vraiment trop instable et dans la semaine. C'est mort. Eh ben merci. On va voir ce qu'ils font, mais... Ouais, et puis, ouais. Ouais, c'est triste, c'est sûr. Donc là-bas, au bout, c'est les manifestants, là. Comment? Au bout, c'est les manifestants. Ouais. Regardez, ils sont encore en massage cardiaque. Oh, le pauvre, il doit avoir le thorax dans un état. Ah bah là, ils sont massacrés. Là. Ouais. Là, ils sont massacrés. Ah ouais. Le fait qu'il n'utilise pas de défibrillateur. Ah la vache, oui, il est en train de faire le massage cardiaque là-bas. Ils vont nous embêter là, non? Là, ils vont nous emmerder. Ouais. Recule. Non, je cours pas, je me mets à un endroit. Antoine, non, excuse-moi. Thank you.
encore en massage cardiaque là-bas, vous voyez. Tu vois quelque chose là? Ouais, ouais, je viens à partir de là où je suis. Ils vont mettre des camions pour cacher. Apparemment, le CRS serait décédé si j'en prends la personne qui le dit à côté de moi. Mais non, on reste en ligne. Ils sont encore en massage cardiaque là-bas, vous voyez, à droite de l'écran. À droite de l'écran, donc je répète pour ceux qui sont arrivés, un CRS est tombé net à terre et ça fait 20 bonnes minutes, maintenant même un peu plus, qu'ils sont en massage cardiaque, les pompiers sont arrivés. Voilà, pour l'instant, donc la personne est décédée puisqu'ils sont en massage cardiaque, le cœur s'est arrêté et ça fait très longtemps. Il était là. Il est fou de courir dans tous les sens. Voilà. C'est bien policier. C'est un CRS à terre. Ils se sont écroulés. À force de courir de partout. Il n'y a pas eu un seul projectile. Tout est resté calme. C'est sûr que son cœur peut peut-être repartir, mais là ça fait quand même très longtemps qu'il est en massage cardiaque. Bien sûr, hein, on espère que son cœur va repartir. Bah ouais, mais ça devient lourd. Moi, j'essaye de filmer jusqu'à temps que j'en sache plus. Je peux plus bouger, je suis complètement nassé. Regardez, on est nassé par les CRS partout, là. Donc j'attends de savoir où il en est. Ce que ça donne. De toute façon, c'est un événement qui se passe, je suis là, je le filme, c'est tout. Hein. Faut arrêter de se prendre la tête, je fais pas comme la télé, rien à voir. Je suis arrivé là, j'étais face au truc, je suis l'événement. Regarde.
Tu fais pas chier, tu mets ça, monsieur. Hein? Tu fais pas chier, tu mets ça. Ça va, putain, t'es là? Ah ouais? J'ai plus que 5% de batterie encore sur celui-là. T'as un portable avec la batterie? Tiens, je te rends celui-là. 49. Oui, je voulais vous dire, toutes les personnes qui sont sur le live, abonnez-vous à la page VQ, parce que là, je vais couper et je vais relancer un live sur un autre téléphone, parce que j'ai à nouveau plus de batterie sur celui-là. Donc vous pourrez tout de suite reprendre sur l'autre live. On va essayer de bouger un peu en attendant, on va voir si on peut pas faire grand-chose. De toute façon, je peux pas bouger, je suis complètement enfermé. Donc autant que je filme ce qui se passe là-bas. Anthony, tu peux me le mettre sur Facebook, s'il te plaît? Au début, les street medics étaient avec le CRS et le street medic était avec les CRS et il aidait, il faisait un massage cardiaque et puis là, ils sont en train de se relever. Puis ensuite, les pompiers sont arrivés.